Hello les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière sur Supercross 6. On est dans notre saison 250. On sera du coup là à la quatrième course qui va se passer à Détroit. On a un petit peu de retard en championnat, on a 12 points de retard. En même temps, j'ai raté une course vu qu'on n'avait pas compris comment ça fonctionnait. Vous m'avez expliqué, maintenant je sais qu'il faudra que je fasse mes qualifs. Du coup, je sais que ça arrivera plusieurs fois, donc faut que je fasse gaffe. Merci en vrai pour vos réponses et tous les retours sur les vidéos. En vrai, ça fait plaisir, c'est cool. Ça m'aide à comprendre pour les départs, tout ça, les plaques rouges. Honnêtement, ça m'aide pas mal. C'est cool parce que j'avoue que je suis pas un connaisseur complet du motocross et du supercross. Je regarde, mais je regarde de loin, quoi. Je regarde de loin, donc ça fait plaisir. En tout cas, moi, je m'amuse sur le jeu, c'est le plus important. On va continuer la carrière. J'ai pas eu de réponse sur le format des courses. Vous m'avez pas dit. Du coup, bah pour le moment, je pense qu'on va rester sur du 5 minutes. Je pense que c'était pas si mal. Après, dites-moi si vous voulez changer, mais j'ai rien vu. Donc, je suppose que pour vous, c'était OK. Du coup, let's go. Let's go, go Détroit. Quatrième course de la saison. Et à faire reprendre des points à Nichols et Lopez. Surtout Nichols, hein. Putain, la vache, on l'a pas trop vu en course, mais il est loin. Hein. Il est loin. En tout cas, on est quand même sur deux victoires, donc ça va. On est chez GazGaz aussi maintenant. Faut pas oublier qu'on a changé de moto. Et que c'est tout. Qu'on se fait virer. Et qu'on s'est fait virer tout simplement. Allez, let's go. À Détroit. Détroit, je sais pas. Je pense que je l'ai déjà fait. Si c'est cette photo-là, je l'ai déjà fait. Ouais, je m'en souviens. Oh, le son du jeu est fort. Attendez. Allez, c'est parti. Le son est bien moins fort. Ça sera bien mieux pour vous. Et qualif. Qualif en un tour, comme toujours. On va voir. On va voir s'il y a du monde. Et on est. Ah, on a amélioré un peu, mais c'est pas terrible. Ah, je vais refaire un quand même. Hein. Le délire des plaques rouges, je m'inquiète donc. Ouais, le délire des plaques rouges, je m'inquiète un peu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi, je pense là, les numéros rouges, c'est les gens qui sont éliminés. Je pense qu'il faut être dans les 20 premiers et c'est moi qui est éliminé, je pense. Je vois que ça, hein. C'est pas du tout le leader du championnat pour le moment. Hein. Les numéros rouges, hein. En tout cas, pas dans le classement à gauche là. Pour moi, c'est ça. C'est une course avec plusieurs finales et du coup faut absolument être dans les 20 là. Si on veut pouvoir participer comme la dernière fois, c'est le truc que j'ai raté du coup. Ah je me suis fait pousser, fait chier. Oh non, je vais te gêner. Allez! Huitième, ça devrait passer. Et du coup, on est huitième, let's go. Alors on va regarder, il y a combien de pilotes? On était 22. Et du coup, on sera combien au départ? J'ai pas tout compris. Vraiment, si vous pouvez m'expliquer le truc des numéros rouges en qualif, là. Est-ce qu'on sera 22 au départ? On verra combien on sera à l'arrivée. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, du coup, j'ai fait une qualif un peu plus longue que d'habitude. Ça change pas pour vous. Hein, vous voyez que le meilleur tour, de toute manière. C'est plus intéressant. Mais bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'on est bon. Alors du coup je vais avoir l'emplacement. Alors on m'a dit qu'il faut prendre. Ah oui c'est vrai que je suis 8ème. Ouais techniquement il aurait fallu partir genre par ici quoi. C'était pas mal. Là ça va être un peu serré. Ah là c'est peut-être pas si mal hein. Je suis un peu loin de la corde mais Ah si j'ai un bon élan je pense que c'est pas si mal. Allez on est parti. Quatrième course de la saison. Faut revenir au championnat absolument. On veut être champion nous. On veut être champion. Allez let's go. Ouh. Wow, il y a un mec. Bah ouais, mais il s'est mis en travers et il est tombé. Tombé devant nous, let's go. Oh la vache, le start. Allez, allez, allez. Contre les 5 minutes. On a pris la première place, après je suis un peu large. Ah, par contre, regardez, il y a plein de numéros rouges là. Ou alors c'est peut-être encore bugué. Par contre, j'ai vu un point rouge sur le circuit. Donc ça doit bien être le leader du championnat. Quand on voit le circuit en bas à gauche, par moment on voit un point rouge. Donc effectivement. Je pense que c'est le leader. Parce qu'il doit avoir le dossard rouge. Mais là, pourquoi le mec est 4, 5, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10 là, ils ont. Bah, pas 9ème du coup. Mais... Ah, ça faut. Si vous avez la réponse, franchement, je suis preneur. Ok. C'est pas mal. Si
J'essaie de m'échapper un peu là. On va prendre la corde. Hop. Ok, je pense que c'est bien le leader. Ouais, ça colle à peu près sur le circuit. Donc ok, on voit le leader, du championnat sur le circuit en bas à gauche. Ça c'est cool. On a cette info. Oh, j'ai failli aller dans le mur. On est bien ma gaz là. Oh putain. En motocross, c'est gaz, c'est exactement. C'est des KTM. Ou c'est vraiment des gaz. Je veux te savoir ça aussi, ça m'intéresse. T'es limite hein. Mais j'ai pas tant que ça d'avance, hein, c'est revenu hein, une seconde une. Hein. J'ai pas trop le droit à l'erreur. Ah, par contre on est deux et on est un peu seul au monde. Ah là c'est pas terrible. Je vais prendre l'extérieur forcément avec le jump. Ok, ok. Oh, je suis un peu large. C'est pas grave. Je sais pas combien j'ai d'avance, j'aimerais bien savoir. Ah, j'ai pas mal là, j'ai creusé, ouais, 3 secondes 6. Je le voyais plus sur le circuit. Nicole, c'est en train de remonter. Ça, c'est pas ouf pour nous. Lopez est au 5ème. Ah, il y a moyen de prendre des bons points au championnat quand même, mais ils sont en train de remonter les deux. Ça ferait chier qu'ils finissent deuxième. Ah bah ils viennent perdre des places. Ouais je sais pas c'est quoi. Faut... Vous voyez bien là, on voit bien que les trois premiers on a numéro blanc et après tout le monde est en rouge. Franchement je m'explique pas vraiment. Bon j'ai pas mal d'avance, je pense qu'on a fait une bonne perf. Ça ce jump, faut que j'arrête de le prendre, ça sert à rien. Bon. Oh 7 secondes, mais ça s'est planté derrière ou quoi. J'ai beaucoup d'avance là. Voilà, je me suis vraiment mis bien. Ah voilà, ça bouge vachement, parce que là on est repassé à 5 secondes 8. Mais j'ai pas fait d'erreur. C'était partout, je suis moins fort. Tour parfait. Tour rapide. J'ai roulé en 52.9, je vais dire 0, mais non. Alors. Ok, je reviens comme un prince. Ok, je dois plus avoir beaucoup d'avance. Oh, je suis allé tellement loin sur le jump. 4 secondes, ça m'affiche. Ouais, il n'y a plus 4 secondes là. Quoique. Ou alors, il n'y avait pas réellement 5 avant. Et il y avait plutôt 7. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Il reste 40 secondes, il va rester... Ah, 2 tours. Il va rester 2 tours encore, je pense. Oh là on a des réceptions, elles sont parfaites. Oh franchement, la séquence était vraiment bonne je pense. Ah, idem pour là. Hein. Ouah je... Non c'était beau ça, franchement. Il y a des moments c'est pas trop mal ce qu'on fait je trouve. Ouah j'ai failli la perdre. En fait, faut vraiment réussir à avoir une très bonne réception pour pouvoir bien s'élancer. Je ne vraiment pas du tout ce que je viens de faire. Quoi. Ah, je vais l'éviter, moi, ce jump. Hein. 2 tours jusqu'à la fin. 12 secondes d'avance, mais là, c'est une promenade encore. Ça se passe mieux en gaz-gaz, finalement. Ah, je trouve quand même la difficulté un poil faible. Hein. Je veux pas. J'aime bien le jeu, mais la difficulté. Ça dépend peut-être des pistes, des. Je sais pas. Je sais pas mais je trouve ça un poil faible. Parce que là, bon après je fais pas une mauvaise course mais bon quand même. Voilà. Ouh. Ah j'ai. Ouais, ici à chaque fois je me rate. On prend le large direct. Allez fonce. C'est quoi la Vmax? C'est 60? 70? Je pense. Ça a l'air d'être ça globalement.
13 secondes d'avance. Et c'est un tour. On va aller s'imposer, Lazio, 3ème victoire de la saison en 4 manches. Ça fait plaisir. Bizarre là. On est sur un drapeau, on est où? Peut-être où est caché. Faut se pencher. Faut se pencher. Du coup, ça dit quoi? On était 22 au départ ou pas? On était 22. Donc j'ai pas fait la qualif pour grand chose, ça servait à rien. Je sais pas, j'explique pas tout. Par contre, je leur mets 3 secondes autour quoi. Je roule 3 secondes autour plus vite qu'eux quoi. Et on est deuxième du championnat par contre. Ça c'est cool, on est bien remonté, on est plus qu'à 2 points de Nichols. Allez, prochaine course, on peut peut-être aller reprendre le lead au championnat. Ça c'est cool. Après, on est en 250. Faut se dire que je pense honnêtement que 450, ça sera plus compliqué. Déjà, moi, je vais avoir plus de mal avec la moto. Et en plus de ça, l'IA sera peut-être un peu meilleure. On verra. Pilote. Et c'est vrai que plus je roule, plus il est en forme. Il devrait pas être plutôt fatigué, genre. Non, ça marche pas comme ça. Je voulais améliorer juste... Ouais, ça, venez, on prend ça. Hop. Comme ça, on peut faire des whips un peu plus facilement. J'essaye d'en faire un peu plus. Ça n'en a compté aucun dans la course, mais bon. J'ai essayé pourtant. Il y en a eu 2-3 qui ont été tentés. On est parti? On est parti. Indianapolis. 5ème manche de la saison. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant 2 par course, on va tomber sur un compte rond. Pour passer en 450. Après, ce sera parfait. Alors attendez, est-ce qu'on peut voir le temps de la séance? Ok, on est 22, je fais qu'un seul tour les potes. J'en fais qu'un. C'est pilote auto. Hein. Je suis pas responsable, chef. Ah, je connais ce tracé, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Celui d'avant, non, mais celui-là, oui. Je l'avais fait en live, celui-là. Ouais, j'ai eu peur. Oh, je suis très large. Ok, je prends full corde. C'est pas mal. Ok. Ouais, je me suis fait pousser. Ouais, je sais pas, mon temps a l'air pas trop mal. Le mec il me souvient quand même en KTM en soi. Mais... Ok, j'avais du mal ici avant. Oh bah j'ai toujours du mal. J'arrive pas, en fait quand on tourne avant, ouais. J'ai du mal à m'orienter pour le jump, mais bon. Ça sera pas la pole, hein. On va même partir 11ème. Ok. Bon après c'est juste du placement en soi, donc bon. Rien de dramatique. On va essayer de se placer au mieux. Et puis on verra en fonction. Ah, ce petit chargement, let's go. Eh ben écoutez, 5ème manche de la saison, Indianapolis. Bah écoutez, ça a l'air bien cette place là, je suis à l'inté. Bah j'aurais même peut-être pu mettre full à gauche, je pense. Je pense. Oh là 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 là, j'ai un temps de réaction, un papy. Hein. Oh, je me suis fait démarrer. Waouh, mais je me fais pousser par tout le monde. Ouh. Ah, Nicole, c'est devant, tiens. Il a Tiama. Et effectivement, il a la plaque rouge. Ça, je suis d'accord avec vous. Je le vois là sur sa moto. Et en course, ah, c'est peut-être juste bugué en qualif. C'est là, on voit bien qu'il est rouge à gauche. Par contre, c'est peut-être juste un bug du jeu pour le moment. Cette histoire du numéro rouge là. Là je suis juste derrière lui. Ouais, il a pris la meilleure réception que moi. Ouais, il fonce hein. Ah ouais, il fonce grave. Ah mais regardez là, le numéro 2 maintenant il a une plaque rouge aussi. Ah, je pense que c'est bugué. Je pense tout simplement bugué pour le moment. En même temps, le jeu vient de sortir en soi. Bon, j'ai rien rencontré comme problème, ou peut-être celui-là. Quoi. Et là, on vient de prendre la tête. Pendant ce temps-là, alors là, j'ai toujours eu du mal.
Du coup, j'étais très prudent. Ah non. Ah, ce sera pas fou du tout. Ok, ça va, on prend quand même bien la tête. Bah, il est parti fort, mais là... Oh non, non. Ah ouais. Oh non. J'ai pas fait exprès. Ok, je pense qu'on est quand même plus rapide que lui. Hein. Surtout qu'il est à moitié tège. Ah bah, on y va, un bloc passe. Hein. Hop. Oh non, j'ai fait nappe. Ouah, il nous a poussé. Ah, ça m'a déséquilibré pour le saut. Ouais, ouais. Moins bien. Je me suis enflammé. Oh non. Oh non. L'enflammade, Ah ouais, là, je me suis vu un peu trop beau, là. Ok, ok, faut aller rattraper, faut aller rattraper. Petite boulette, c'est rien. Ah, je grille trop. J'ai failli tomber, mais ça passe. Ah, oh, je vais trop large, ça a glissé. Ah, c'est la course des boulettes, hein. J'ai la chance de pouvoir jouer quand même la victoire. Ah, mais je suis plaqué rouge, moi aussi, maintenant. J'ai un problème avec ces numéros rouges, ça m'interpelle. J'essaye de comprendre, mais c'est un poil bugué, je crois. Aïe, 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 aïe. Là, c'est l'endroit que je déteste un peu, donc ça va être compliqué. Mais il faut prendre large, comme ça on n'est pas trop mal. Allez, il faut essayer de rattraper le leader là. Qui est en plus de ça le leader du championnat. Hein. Ah, vous avez vu le mec qui est 3ème, il est repassé en numéro blanc. Ah, je vous fais chier avec ce numéro rouge, mais. Ouah, il y a une chute de Smith à côté. On l'a vu à terre. Alors, on aurait pu partir seul devant, je pense. On avait un. Oh, Nichols qui tombe! Nichols qui chute, let's go! Ah, c'est parfait pour nous! Oh, il perd pas beaucoup, hein. Il est vite reparti. Mais la chute de Nichols nous met super bien. Allez, pour une fois. Oh là, la réception est pas ouf. Non, je voulais prendre l'XT, mais pas à ce point-là. Ah oui, alors là, je me suis peut-être un peu enflammé. Ah, il va rester 3 tours. Oh non, c'est un carnage. Je suis 3 secondes 4 d'avance. Le problème, c'est que je suis pas à l'abri de faire une erreur parce que j'ai du mal. Oh non, bah genre ça. J'ai de la chance de pas tomber parce que mes réceptions sont vraiment dégueulasses. Oh non. Ah mais ouais, mais... J'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas mal pour ces millions. On sort bien d'être en tête, hein. Ouais, j'ai pas d'avance. Il est juste derrière. Un cadeau là, il est juste derrière. Allez, on s'envole. Ah, j'ai refait la même. Après, c'est passé mal le drapeau jaune. Oh putain. Ça va, je prends pas trop cher. Oh non. Non, 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 je suis bloqué les... Non, pas comme ça. Deux tours jusqu'à la fin. Ok, il y a un duel. Il y a un duel pour la victoire. On va essayer d'aller le chercher. En bloc passe. Oh la vache. C'est plus qu'un bloc passe. Et en plus, je me bloque derrière tout seul. Je vais prendre la corde. Je prends l'un T. Allez. Ok, ça passe, ça passe. J'ai l'XT. Oh, c'est lui qui me fait un bloc pas cette fois. Oh, le salaud. Il me bloque. J'ai une réception de merde du coup. Oh non. J'ai des points à prendre là. Ok, faut pas se rater ici. Oh, j'ai été doucement. J'ai eu peur. Allez, dernier tour. Dernier tour et duel au sommet. Avec Macano. Ça se prononce comme ça, j'espère. On va essayer. Ok, je prends la tête. Ok, on prend la tête. Oh, non. J'ai perdu l'avant. Non.
Aïe 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 aïe. La chute qu'il fallait pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller s'imposer maintenant. Aïe 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 la chute. En plus mon whip il était bon mais ils m'ont pas accordé. Peut-être que je suis tombé après. Attendez, on revient, c'était pas fini. Toujours y croire. Ah non, toujours y croire, oui non. Hein. Bon, c'est pas grave, ça va être une deuxième place. Je me suis pris truc monster à la fin. Le boulet. Mais normalement, je devrais relever la tête et prendre la tête du championnat, je pense. J'ai largement le meilleur tour en course, c'est juste que j'ai fait 1 milliard d'erreurs sur cette course. Mais littéralement 1 milliard d'erreurs. Et du coup, au championnat, ça dit qu'on est... On est en tête. Non, on est à égalité. Égalité avec Nichols. 102 points chacun. Il va rester 4 manches. C'est serré, n'empêche. C'est serré, j'aime bien, je suis content, c'est stylé de ouf. Eh bien écoutez les potes, bilan positif aujourd'hui, c'était cool, on a fait premier à... C'était où? Je sais plus. J'ai fait deuxième Indianapolis, je sais plus où c'était la première, tant pis, c'est pas grave. En tout cas on a gagné et fait deuxième, donc on prend des points, on revient premier du championnat égalité avec Nichols, donc c'est pas mal, il ne restera 4 manches. Eh bien écoutez, en tout cas pour suivre la suite de cette carrière, ça sera sûrement vendredi je pense les potes. Ça sera vendredi et la prochaine vidéo, ça sera demain pour la carrière MotoGP 22. Et bah écoutez, sur ce, moi les potes, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.